Aujourd'hui, petit journal de bord très simple. En fait, on va faire du charbon végétal avec des tiges séchées de topinambour. Donc, vous voyez, j'en ai ramassé plusieurs lors de la récolte des topinambours, dont on va suivre une vidéo très prochainement. Puis, on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'en fait, c'est ça, le topinambour, c'est intéressant ben, pour le tubercule. Puis aussi pour la production des tiges. Fait que j'ai pas vu de vidéo encore sur qu'est-ce que ça donne au niveau du charbon végétal. Fait qu'on va essayer ça ensemble, ça sera pas très long. Donc voilà ce que ça donne une fois bien rempli. J'ai deux barils. Les tiges sont bien secs. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc après environ une quinzaine de minutes, on peut voir qu'il n'y a absolument aucune fumée. Par contre, ça a été plus long. Probablement en fait parce qu'aujourd'hui c'est une journée venteuse. Donc je pense que c'est pas nécessairement approprié d'avoir quatre entrées. Faudrait par grand vent, je pense que l'idéal ça serait soit de mettre des blocs pour les boucher ou de faire un système qui soit refermable. Donc, après un temps d'environ 3 heures de brûlage, regardez ce qu'on a. C'est ça. C'est quand même un beau charbon végétal. Il est bien noir. Bien cassant. Fait que c'est ce qui conclut le test. Puis prochainement, ben en fait plus cet hiver, ce que je vais m'arranger, c'est que je vais faire une presse. Donc, pour moudre mon charbon végétal, puis le presser en boulettes, ce qui va me servir en fait pour cuisiner ultérieurement.